Les hommes de l'addiction du tatouage, de l'addiction du mensonge, de l'addiction de la clope. Et toutes ces choses, ça fait quoi? Ça pourrit ton corps, mon ami. Tu souilles ton corps. Et aujourd'hui, tu as le choix entre te repentir et revenir au Créateur dans ses bras d'amour, dans ses bras qui sont ouverts pour toi, ou continuer dans ton péché, te souiller et aller en enfer. Parce que large est la porte. Large est la porte qui mène sur le chemin de la perdition. Large est la porte, mes amis. Et nombreux empruntent le chemin qui mène en enfer. Voilà pourquoi Jésus vient aujourd'hui te tendre la main. Et toi qui entends ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Il t'aime beaucoup, jeune fille. Il vous aime, messieurs, dames. Le Créateur, c'est lui qui aime les familles, plus que l'État canadien. Jésus aime les familles, mes amis. Il est magnifique. Mais il aime qu'on se marie, qu'on mette sa vie en règle. C'est ça aussi l'amour du Créateur. Mettre sa vie en règle. Sortir du désordre. Sortir du péché. Sortir de la haine. Prenez à l'air. Repentez-vous parce que le royaume du Créateur s'est approché de vous. Regardez comment ça brouille le monde. C'est le temps pour toi de revenir à Jésus. Messieurs, dames, quel âge avez-vous? 60 ans? 70 ans? Vous êtes plus proche de la mort qu'hier. Vous êtes plus proche de la mort qu'hier, mes amis. Revenez au Créateur. Venez à Jésus pour être sauvé, délivré du mal, délivré du péché. Parce que ses mains ne sont pas trop courtes pour se sortir du mal, du péché. Bon appétit à tous. Jésus revient. Voilà le message d'amour. Jésus appelle les hommes à la repentance. Il n'est pas catholique, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il revient. C'est la fin, c'est la fin. Nous sommes à la fin des temps, mes amis. Repentez-vous. Parce que le Créateur va juger l'humanité, messieurs, dames. Oh oui.
Repentez-vous du mal. Donnez-lui votre cœur. Parce que devant la mort, le docteur, il est limité. Le chirurgien, il est limité. Il ne pourra pas réparer ton cancer tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu viennes à celui qui peut sauver ton âme. Il faut que tu viennes au Créateur qui peut réparer le péché que tu as mis dans ton cœur. Tes blessures, le mensonge, la haine, l'impudicité, le péché, mes amis, le mal. Et Jésus est venu pour cela. Voilà son amour pour toi, c'est que de te dire de venir à lui. En abandonnant ta vie, en sortant du péché, en sortant de la masturbation, de la haine, de la sodomie, mal. Ah oui, mes amis. Bonjour, bonjour à vous. Jésus revient. Jesus love you. You must pray Jesus. Pray Jesus. Jesus come back soon. Pas les français? Pas les français? Jesus love you. God love you. You must pray Jesus. Jesus love you. Everybody, repent you of your sin. Pray Jesus Christ. Jesus love you. Comment allez-vous ce soir? Vous allez bien? J'aimerais te dire ce soir que le Créateur vous aime. Il y a un Créateur qui nous a créés. Et ce soir, si nous respirons, c'est par sa grâce. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il est venu sur la terre il y a 2000 ans pour nous sauver. Ce soir, toi qui manges, j'aimerais te dire que il nous est réservé aux hommes humains de vivre une seule fois, car tout homme est voué un jour à mourir. Et après la mort, la Bible dit, vient le jugement. Et le Seigneur qui nous a créés est venu sur la terre il y a 2000 ans pour nous sauver, pour nous pardonner. Je vous dis la vérité, il y a une vie meilleure après la mort, mes amis, avec Jésus. C'est le royaume des cieux. La Bible dit que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver, pour nous guérir de nos péchés, de nos fautes. Sur la terre, Dieu dit dans sa parole que tout homme a péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Laisse-moi te dire que si tu meurs étant pécheur, tu passeras l'éternité loin du Créateur, séparé de lui pour l'éternité. Ce soir, ce n'est pas une religion que je t'annonce. Je t'annonce simplement que Dieu veut que tu l'invoques avec ton cœur, parce qu'il t'aime. Même si les hommes ne t'aiment pas, tes parents ne t'aiment pas, laisse-moi te dire que Jésus-Christ t'aime. On vit dans un monde où beaucoup d'hommes ont rejeté leur Créateur. Beaucoup ont préféré fumer, se tuer, se détruire. Et le Seigneur appelle les hommes à venir à lui. Montréal, laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Il t'accorde la vie pour souper. Oh oui, c'est la grâce de Dieu, la grâce du Créateur. On vient de Paris pour annoncer au Canada que Dieu les aime. Il fut un temps, j'étais adultère, j'étais menteur, j'étais raciste. Mais la Bible, qui est la parole du Créateur, a changé ma vie. De ce fait, je peux aimer mon prochain comme moi-même. Et c'est le plus grand message que Jésus-Christ est venu annoncer aux hommes. De l'aimer lui seul, premièrement, de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Le Seigneur Jésus revient. Là, je rentre chez moi, on va partir là. Mais je t'annonce, toi qui entends, si tu meurs dans l'état où tu es, dans l'état de voleur, l'état de drogué, l'état de péché, tu seras jugé. Tu seras jugé si tu meurs étant pécheur. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour te libérer du lesbianisme, te libérer
de la drogue, te libérer du péché, mes amis. Regardez l'état du monde. Le monde est malade. Le monde est perdu. Le monde a besoin de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ, mes amis. Il y a un seul chemin qui te conduira au ciel. C'est Jésus-Christ. Mais malheureusement, les hommes préfèrent le mal. Ce soir, ce que tu entends va soit te sauver ou soit te condamner ou te juger. Ne rejette pas cette parole dans ton souper. C'est bon de souper. Qui a créé ton ventre? Qui a créé ton ventre pour souper? C'est ton créateur. Bonne soirée là-bas, tout le monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Au-dessus des hommes, il y a un Dieu. Ah oui. Et ce Dieu t'aime. Ce Dieu t'appelle à la repentance. Il t'appelle à croire en sa parole. Il t'appelle à l'adorer. Le monde vit sa fin. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. On t'a fait croire que l'homme a évolué. On t'a fait croire que Dieu est pour les pauvres. On t'a tout raconté sur Dieu. Toutes sortes de choses fausses. Lorsque je vois le Canada, c'est un beau pays, mes amis. Et ce pays que le Canada ne vient pas du hasard. Toi qui m'entends, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu es une belle créature. Oh oui. Et la créature que tu es, le Seigneur veut le sauver. Jésus veut te pardonner de tes mensonges. Il veut ôter le voile. Il veut ôter ce voile qui t'empêche de le connaître. Quelle est la raison de ta vie sur terre, mesdames et messieurs? Pourquoi tu vis? Pour souper? Pourquoi tu vis? Pourquoi le Créateur t'a prêté la vie ce soir, mesdames et messieurs? Après la mort, il y a deux lieux éternels, deux endroits éternels, un endroit de souffrance et un endroit de paix éternelle, le paradis et l'enfer. Tu vas aller où, toi? Où veux-tu aller? Au paradis. Ben oui. Et pour y aller, c'est simple. Pas besoin de religion. Pas besoin d'aller dans les églises, dans les temples, dans les mosquées. Tu peux rencontrer Dieu, même assis ici. Ton cœur. Je viens de manger au restaurant. Mais tellement que je vous aime, je vous annonce un beau message. Dieu. Je préparais la salle. Je restais aussi à la fin de l'église. Ouais. On donnait la nourriture, je donnais la nourriture. J'ai vraiment contribué durant le chemin de l'église. Ouais. J'ai arrêté pour pas aller à l'église parce qu'à cause de la pandémie. Là-bas, la fin de COVID. Au début, à cause de la pandémie, il y a aussi certaines personnes qui n'ont pas vraiment la passion pour passer des choses. Ça aussi, je les aime. Quand il y a des visiteurs qui viennent à l'église, ça prend des visiteurs. Ça, c'est pas bon. Tu traites toutes les personnes dans un niveau et tout. C'est comme ça que le Seigneur a dit. C'est ça. Il a dit qu'il ne fait pas exception pour personne. Il est pris. Quand on doit venir à lui, on doit venir à lui avec le cœur sincère. Simplement, c'est lui qui veut nous changer. Mais il faut comprendre que ça engage un changement pour qu'on vienne dans le Seigneur. Parce qu'en fait, il a dit que quiconque, en fait, c'est-à-dire quiconque invoque son nom, qui s'éloigne du mal. Maintenant, si le Seigneur voit que ton cœur a envie d'être changé, promis pas pour les hommes, le Seigneur, il va te donner son esprit en toi. Il va te purifier de tout mal. C'est ce qui s'est passé pour moi. Il va te montrer à quel point il t'aime. C'est ça qui vient. On a beaucoup répété, on a besoin de vivre. Et moi, comme toi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. À 14 ans, je suis parti chez mes parents. Je suis resté 5 ans dans la rue. Aller chez ma grand-mère, aller dans la rue. Bon, jusqu'à ce que je revienne chez moi et réussir, j'ai rencontré Jésus chez moi. Mm-hmm. C'est là que ma vie a bouleversé. J'arrivais pas à fumer, tout ça. J'arrivais plus. Parce que j'ai une relation avec lui maintenant. C'est carré, c'est puissant. Comme ça. En fait, t'as vu? Donc, quand on dit qu'on va à l'église, c'est pour déjà. C'est nous, là où deux, c'est nous l'église. Exactement. C'est ça, beaucoup de personnes de ma famille, comme ça, mais le
pas mal dans sa tête. Oui. Tu sais, moi, je suis passé dans ma famille sans alcool et sans fumeur. T'as quel âge? J'ai 24 ans, toi. Non, jeune. Ouais. C'est le temps de carrière. De revenir pleinement au Seigneur, toi. Est-ce que tu veux vraiment faire la paix avec le Seigneur? À nouveau. Vraiment faire la paix, lui donner ton âme, parce qu'on ne sait pas de quoi. C'est quand le Seigneur ne peut pas te parler comme ça, c'est pas ce qui peut se passer. Honnêtement, ma relation avec ton âme, c'est une bonne relation. Avec le Seigneur Jésus? C'est pas toujours quelqu'un qui va prier, mais c'est pas comme ça. Ah bon, mais est-ce que ça t'arrive de pratiquer le péché? C'est quoi quel péché qui te combat vraiment? Je crois que tu demandes au Seigneur sa grâce pour te libérer. Ah, tu fumes toujours. Tu te lèves et tout. En fait, il ne faut pas réduire, il faut abandonner. Parce que Jésus, la parole nous dit que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché du monde. Tu vois? Et ce soir, si on te parle de ça, si on s'arrête pour te parler, c'est pas par hasard. C'est que le Seigneur veut t'interpeller, te dire qu'il veut te purifier de tous tes péchés. Parce que son sang a coulé sur la croix pour l'humanité. De ce fait, si tu prends la décision ce soir de suivre le Seigneur, d'abandonner la cigarette parce que ça tue en fait. Le Seigneur ne veut pas que tu meurs, tu comprends? Il va te sauver en fait, il va te délivrer. Oui, en fait, tout ça, c'est, ça détruit le temple. T'as dit on est le temple, non? Eh bien, tu es en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Tu vois, lui, il est, c'est un gros trombio, c'est pareil. Tu vois? Tu vois? Moi, des fois, je prenais un petit défaut de temps en temps. Jésus m'a délivré aussi. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert notre cœur au Seigneur. Et la Bible dit dans Apocalypse 3, verset 20, il frappe la porte du cœur. Celui qui ouvre son cœur, il rentrera et il se porte avec toi, en fait. En fait, Jésus veut faire de toi son ami. Il veut ton ami. Il veut ton tout. Donc ne passe pas à côté de cela. Passe pas à côté de ce message. C'est important. L'affaire que tu peux expliquer, j'ai commencé à diminuer, c'est parce que j'ai commencé par la boxe. La boxe? Ça, c'est quelque chose qui m'a sauvé. Beaucoup de jeunes font la boxe ici. Ah ouais, ouais, c'est comme le tel de trois. De mauvaises choses, ça me permet de réfléchir sur moi. T'es violent un peu, hein? C'est pas vraiment que j'étais violent, c'est parce que j'étais quelqu'un de vraiment perdu. Ouais. Donc moi-même, je savais pas juste qui. Grâce à la bosse, je me suis. Mais Jésus veut que tu. Le Seigneur là, alors là, tu vas retrouver ton identité totale. Avec Jésus, c'est sûr. C'est sûr que le Seigneur va continuer à m'aider de jour en jour. C'est ce qu'il fait, il entend ton cri de détresse, tu vois, Zacharie. C'est un bon nom en plus, là. Hein? Il y a beaucoup de noms, Zacharie. Tu lis la Bible de Dieu. Je m'appelle pas. D'accord. En tout cas, voilà, on peut prier pour toi. Parce que le Seigneur t'encourage. Tu as eu l'humilité, en tout cas, de te dire bon, ben oui, je vais prier pour toi. Et le Seigneur, il aime l'humilité. Il aime l'humilité. Ouais. Amen. Amen. Alléluia. Mais Seigneur, papa, Seigneur Jésus-Christ, merci pour Zacharie, Seigneur Jésus. On te prie, papa, pour sa vie, papa, de le délivrer, de le sauver, papa, de la drogue, Seigneur mon roi. Père, je te prie, papa, de sauver son âme, papa. Nous te présentons son âme, papa, devant ton trône. Seigneur, papa, de lui faire grâce, papa, de le remplir de toi, Seigneur mon roi. Seigneur, comme tu l'as fait, papa, pour tous ceux, papa, qui s'approchent de toi, tu les délivres, papa, tu les restaures, Seigneur. Seigneur, on prie pour Zacharie, Seigneur mon roi. Que tu puisses briser, papa, les chaînes, papa, les liens, papa, du péché, papa, de la chair, papa, au nom de Yeshua, Seigneur. On prie, papa, pour notre frère, papa. Lui faire grâce, papa, au nom de Jésus-Christ, papa. Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour ton esprit en lui, papa. Papa, fais-lui grâce, papa, au nom de Yeshua, au nom de Jésus. Qu'il puisse haïr, papa, la drogue, haïr, papa, cela, papa. Papa, ce soir, je crois, papa, que tu nous as mis sur son chemin pour partager, papa, ta parole, Seigneur, mon bras. Et que tu implores pour sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa. Merci, papa. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il soit libéré, papa, de ce mal. Libéré, papa, de la drogue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre de la cigarette maintenant. De la drogue. Sois libre, sois libéré maintenant. Que ton corps soit libéré maintenant de ce mal. Maintenant. Au nom de Jésus. Sois libre. Ça quitte ton corps, ça quitte ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth.
Alléluia. Wow. Amen. Amen. Merci Joanne. Merci Hervé. Hervé. Tu peux avancer en fait sur les chaînes, sur les chaînes que je t'ai données. Tu vas écouter l'évangile. Frères et sœurs, voilà, on sort de Montréal, centre-ville, pour avoir évangélisé. Le Seigneur nous fait grâce, on est venu dans cette ville il y a 3-4 mois. On ne savait pas où dormir, frères et sœurs. Et là, nous revenons à cette ville avec un pied à terre. Le Seigneur nous a permis de prendre une voiture, véhicule. Ça mon frère Joanne. Et ça, c'est glorieux, frères et sœurs, et c'est magnifique. Donc là, on annonce la parole du Seigneur au centre-ville. Voilà, on se rappelle, on est venu ici, on marchait dans le froid. Waouh! Le Seigneur est venu pour sauver les âmes, et du coup, demain, on a la conférence chrétienne. On va rencontrer de nouvelles personnes, nouvelles frères, des nouvelles personnes en Yeshua, en Jésus-Christ. Et nous sommes vraiment dans la joie, voilà, frères et sœurs, de rencontrer de nouveaux chrétiens que nous ne connaissons pas, mais qui sont du royaume. Et donc voilà, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Alléluia. Ça tire. Jésus-Christ vous aime, il vous aime Jésus. Jésus revient, il vous aime. Repentez-vous du péché pour être sauvé. Alléluia. Ouais, frères et sœurs, c'est magnifique. Voilà, la parole du Seigneur. Canada pour Jésus-Christ de Nazareth. Comment? Il vous aime, hein? Jésus, il revient. Jésus est le roi, le roi des rois, c'est Jésus. Il vous aime Jésus. Jésus veut vous sauver, madame, de vos péchés. Jésus, le roi des rois, Jésus. Le roi des rois. Oui. Jésus veut nous sauver. Jésus. Ça va t'approcher de toi. Le roi des rois. On a dormi ici, frères et sœurs. Vous n'avez même pas où dormir. Oh Seigneur, c'est à droite là, je crois. C'est à droite, hein. On ne savait pas endormir, frère, si je vous dis la vérité, je te... Waouh. Le Seigneur a touché des personnes aujourd'hui, là. Il a touché ici des gens ici. Je me rappelle. Waouh. Ce pays, frère, je crois que le Seigneur veut que ce pays entende la parole. C'est vraiment un pays qui... Voilà, on s'est rendu compte qu'il a souffert à cause du catholicisme. Voilà, et ils ont fermé leur cœur ensuite par rapport à ça, aux choses du Seigneur. Il y a un travail à faire, frères et sœurs, c'est incroyable. Incroyable. Donc, allons avec la force que nous avons du Seigneur. And it wasn't a voice in my head, like, you know how you think and sometimes you kind of hear something, you know? Best way I can describe it was in my belly, and it felt like a ripple. Like, you know, when you throw a rock in the water and it goes like this? Same thing. It felt like a little boop, and then I heard a voice, right? And the voice told me a couple of sentences, but in less than a second. It was like snapping a finger and I heard sentences, right? So it told me, Roy, you were going to hell. I thought I was a good guy, right? So that was a shocker, right? So it says, you are going to hell. I'm taking you out of darkness into the light. Go home, tell your wife the truth. Because about 2 years prior to that, I'd been unfaithful to my wife. You know, you put it under the rug. We went through marital issues. You know what I mean? You go do your man thing, right? Then you just put it under the rug and you move on, right? It says, go home, tell your wife the truth. Don't only tell your wife, tell everyone else. So today I'm here sharing with you. What's your name? Stefan. Stefan. So I'm here sharing with you
just like how I heard the voice tell me tell everyone else. So now I started digging more, right? Like, well, I'll get to it. But that same night, I went home to tell my wife that I was unfaithful, something I never would have done in three lifetimes. You know what I mean? Go home, I tell her, hey, I need to speak to you. Tell her I was unfaithful. She thought it was a bad joke because she didn't see me doing something like that, right? I was a nice guy. You know what I mean? So when I tell her, she asked me who it was. I tell her the name of the lady. She knew her, right, from my work. So she gets upset, as you can imagine. She's all red at this point. No joy, no peace, nothing. She hits me and screams, I'm going to kill her, right? The next thing I see is she jumps back, right? The second she said that, she jumps back and she looks up and she went quiet. So I thought you had a heart attack or a stroke or something, right? So I'm shaking her. Babe, are you okay? I'm sorry. You say something, yeah? And then she says, Rem, I'm okay. Calm down, right? And she calls me down. And she tells me that when she screamed, I'm going to kill her, she said she heard a voice that told her, you shall not kill. Right? So she got afraid and she kind of looked up and said, whoa, what is this, you know? And out of fear, I guess, that's the best way I can put it. Out of fear, she kind of said, whoa, forgive me. I don't want to kill anyone, right? And she says, from the moment she said that, every pain and anger, bitterness, strife, whatever you can imagine someone would feel at that moment, was just lifted off of her. Gone, that same moment. And when she tells me this, I'm looking at her like, are you serious? She says, Roy, I'm serious. Like, I don't have anything against you. I'm okay. So I tell her, well, do you know why I came home to tell you I was unfaithful? So I tell her that at the office, I heard a voice that told me, go tell your wife. And she didn't believe me. You see the craziness? So I'm like, no, babe, I never would have told you that I cheated on you ever in my life. You know what I mean? So long story short again, at that point, we realized, okay, something weird just happened. Like, we can move on with life and say, oh, okay, well, you know, she's fine, and now I know I shouldn't do this. Like, we can move on with life and just go on, right? But if we did that, it would almost be unfair to whatever it was that spoke to us. You know what I mean? So we started digging more. Like, what is this? What was this about? And the more we dug, the more we found the answers in the Bible. You know what I mean? Where God talks about faithfulness between a husband and a wife. Where God talks about the forgiveness that he had for us, right? Where, again, he taught us all of this through just a seeking, right? Like, I did wrong, but he made it that my wife would forgive me. Okay. Which is crazy impossible to do that in a couple of seconds. You know what I mean? But we learned through the forgiveness of Jesus Christ, which is in the Bible. The Bible tells that God sent his son. It's this house here, right here. The Bible says that God sent his son, Jesus, to die for your sins. So literally, so God could forgive you of your sins, even though you did nothing to deserve his forgiveness. You know what I mean? And all he wants is for you and I to say, God, I am a sinner. I've done wrong. Here are my wrong, right? Forgive me. And God literally forgives you through Jesus Christ. That's good. Because after this life, I know people think that all we have is this life. Like, we die and we return back to the dust and that's it. But the truth is, you have a spirit in you. And your spirit will actually live on, right? And the decision is it going to be with God? Or is it going to be somewhere else, right? So the decision is for you to take, right? So after this message, you have to ask God to forgive you. Ask Jesus, right? Because he died at the cross, right? For you and me. Like, I was the adulterer. I was the one who cheated on my wife, right? But God had mercy on me to tell me, hey, get away from this way, right? When I wasn't even looking for it. You know what I mean? So that's the same message I share with everybody or anyone willing to hear, right? To know that there is a God. He did forgive your sins through Jesus Christ. And he just wants you to repent, right? Meaning to say sorry, God, you know, forgive me. Help me to change. Help me to know your way. And that's it, man. It's as simple as that. That's good. Yes, sir. Yes. You've been blessed with a message that is great for you. Yes, very good. God loves you, brother. Jesus loves you. I hope. Yes. He does. There's no doubt about it. Yes. I am not even doubting about it. Depuis le jour où tu as quitté moi, tu m'as revêtu de ce parfum de valeur. Que je répands sur tes pieds pour t'adorer, mon roi. Dans un instant, tu connais ma vie. Je veux que ce chant s'envole au paradis. Yes.
pour te dire que j'ai trouvé en toi ce parfum. J'ai trouvé en toi ce qui me manque. Puis tu es ce parfum de bonheur, cet art de compris. Tu es ce parfum de bonheur avec lequel tu as racheté ma vie. Tu es ce parfum de bonheur, oui, Yeshua, son air excellent. Tu es ce parfum de bonheur. De l'arbre de vie, j'ai cueilli ce fruit qui me fait aimer ta justice et tes lois. Je me souviens de la senteur, de ce parfum intense et de cette présence qui précédait tes pas. Car dans tes palais, je ne cesserai de chanter. Hey, yes. Rassemblé autour de toi pour te célébrer, diront mon œuvre est pour le roi. Comme la plume de Scribabi, sous toi est répandu une huile qui parfume tes vêtements de mire de grâce et d'aloué. On est vrai pour le roi. Ma langue sera comme la plume de Scribabi, sous toi est répandu une huile de joie qui parfume tes vêtements de mire de grâce et d'aloué. De ta beauté, ce parfum, sainteté, jusqu'au Canada, ce parfum, de ton amour, pour le Canada, pour Yeshua, le parfum du grand roi, qui m'a sorti des ténèbres et qui m'a fait venir à sa lumière, le parfum du grand roi. Qui m'a fait venir à sa lumière. Son nom c'est Adonai Yeshua. Son nom c'est Adonai Yeshua. Son nom c'est Adonai Yeshua. Adonai, Adonai, yeah 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 yeah. Adonai, yeah 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 yeah. Elohim, je suis à toi. Elohim, montre-moi la voie, oui, Adonai. Adonai, yeah, 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 yeah. Adonai, yeah, 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 yeah. Elohim, sauve le Canada. De ta beauté. Alléluia. C'est parfait. Alléluia. Ta beauté. Yes. Yes. Yeshua, mes amis. C'est glorieux.